quatrième album. Le premier, c'était Guest Star, qui rassemblait un peu toutes les œuvres qui étaient apparues sur différents projets. Après, ensuite, derrière, il y a eu un album produit par le studio Le Petit Mas, qui s'appelait Rhythm and Chat, enfin, qui s'appelle toujours Rhythm and Chat. Ensuite, en parallèle, j'ai fait un street album qui était disponible uniquement sur les concerts ou par VPC, du nom de Rough Tuff, et derrière Urban Griot. De Jamason, bien sûr, qui m'accompagne depuis déjà X années, quoi. C'est-à-dire, j'ai commencé à. Je vais pas dire que j'ai commencé avec eux, mais bon, vraiment à découvrir la musique avec eux, quoi. Parce que c'est. Tu passes d'un vinyle sur une platine à une section basse, batterie, clavier, guitare, c'est différent. Le Front National à Vitrolles, bien entendu, ouais, ça en restait quand même un bon moment. Mais c'est pas pire qu'ailleurs, je veux dire, c'était pas pire. Il y a des quartiers à Marseille qui sont vachement pires que Vitrolles, quoi. Les quartiers où ça vote, c'est pas les pourcentages exacts, mais bon, il y a des quartiers où ça vote vachement Front National, quoi. Donc, ou bien majoritairement en droite dure, quoi. Donc, Vitrolles, bien sûr, ça a servi de laboratoire, aussi bien pour la contestation que pour même pour les idées véhiculées par ce parti politique. Mais à Vitrolles, au moins, il y avait voilà quoi, il y a eu des gens qui se sont mobilisés. Ça a permis justement à des journalistes, à des médias de venir sur place et de constater. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ici au Paradoxe. Merci à tous ceux qui sont venus des quatre coins de Marseille, aux amis de Vitrolles, aux Turmes, au bar de la Plaine. Merci à la Blonde. Urban Griot date de sa sortie numérique date de juin 2009. Donc c'est un album qu'on a produit, Denis, Rastairon et moi. Donc il contient une dizaine de titres. Donc on a produit, on a été aidé par Jackie du Bar de la Plaine. Il nous a aidé à justement élaborer ce projet. Et donc voilà, c'est un disque, c'est un peu, je veux dire, un autoportrait. Sur ce disque, je mets en avant mon identité franco-africaine. Donc, toutes les influences que j'ai pu avoir par rapport à toutes les collaborations que j'ai pu faire avec différents artistes, toutes les rencontres, tout, dans différents univers, différents styles de musique. À l'ombre des libertés, tantôt de l'humanité, souvenez de la laïcité, l'empire de la musique, des mots font la diversité, si loin des égalités. Moi, 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 seul contre l'unanimité, refuse à l'autorité, faire face à l'adversité, dire non. Qu'est-ce que l'identité nationale? Je veux dire, déjà, la France est découpée en régions. Le territoire français s'étend jusqu'à la Guyane, ça va jusqu'en Nouvelle-Calédonie,
Donc, on ne peut pas parler d'une seule identité nationale. La France a eu des colonies en Afrique du Nord, en Afrique noire, en océan Indien. L'Afrique a toujours des départements en Martinique, en Guadeloupe, à l'île de la Réunion. Donc, il ne peut pas avoir qu'une seule identité nationale. Je veux dire qu'elle est multiple parce qu'il faut tenir compte, bien sûr, de la carte d'identité, mais aussi des origines, de la culture locale. Et c'est voilà quoi, je veux dire, c'est assez flou comme débat. Je veux dire, il est presque inutile parce que bon, voilà quoi. Moi je suis fier d'être franco-africain, d'origine camerounaise et ivoirienne, et ça rejette en rien que je suis français avant tout. Même si voilà quoi, j'ai ces origines qui viennent peut-être d'un autre pays, des pays qui étaient à l'époque des colonies françaises, donc. Je sais pas, enfin je vois pas, je paye mes impôts comme tout le monde, je vais voter comme tout le monde, donc je vois pas quelle utilité de faire un débat sur l'identité nationale. Le point d'équilibre entre la France et l'Afrique, hey hey! C'est ma dernière tube life, des cités d'enfer, dans le désespoir chante le vice de l'espoir. Que Dieu nous donne encore la force d'y croire, d'attendre la lumière à l'autre bout du couloir. Chaque jour s'écrit une nouvelle page de l'histoire, fil conducteur qui mène de tête en victoire. Épreuve de la vie, sujet, devoir de mémoire, des poussières de passion qui ont fond d'un tiroir. Noir et français, mon identité, comme une tache sur mon cœur et une orbité. Noir et français, et je suis décidé, parti de mes motivés pour atteindre les sommets. Transmets la parole en verbe comme ses corps, écrire jusqu'à l'épuisement de nos corps. Synchronisation du rythme de l'effort, comme un combat qui nous rend de plus en plus fort. Entre cœur passe le maillot tricolore, la Marseillaise retentit sous les médailles d'or. Frappé du coq, c'est le ghetto qu'on honore. La fierté de tout un peuple ignoré, noir et français, mon identité, comme une tâche sur mon cœur et tout l'empilé. Noir et français, c'est toute ma fierté, partie de mon motivé pour atteindre les sommets. Noir et français, issu décidé, au pays de bois, donc le format n'est pas gagné. Noir et français, enfant d'immigré, liberté, qualité, paternité. Expression de joie et de colère, sonnerie du réveil des mouvements contestataires, hymne à la rue, chant révolutionnaire, issu d'une majorité toujours minoritaire. Fais du bruit pour l'homme qu'on appelle Lucio Sax. Un atelier d'écriture qui était animé par Diali et Tatou du Massia Sound System il y a, on va dire, il y a 20 ans de... Ouais, il y a presque 20 ans, ouais, il y a presque 20 ans, parce que c'était en septembre 90. Et donc, voilà, quoi, avec eux, j'ai pris goût à l'écriture, j'ai pris goût à composer des titres, j'ai pris goût à monter sur scène, à prendre le micro, à parler devant un public. Voilà quoi, la prise de parole, quoi, qui était vachement important. Et donc voilà, quoi, par le Massilia, c'est vrai, ce sont mes parrains un peu dans ce milieu musical. Marseille. Tout le monde gagne.
Versailles. La part de là. Le souci, c'est qu'à Marseille, voilà quoi, la scène locale est en train de mourir parce qu'on manque de lieux de diffusion. Regarde, moi, j'ai sorti un album qui s'appelle Urban Griot, qui est joué, qui est pas joué sur les radios locales, à part Radio Galère qui joue le jeu, mais sinon, il y a aucune radio qui joue le jeu de la scène locale. On est obligé de produire nos propres concerts, c'est-à-dire on est obligé de, voilà quoi, de monter des soirées dans des petits lieux, donc on n'a pas, on peut pas, il n'y a pas de diffusion quoi au niveau local, donc voilà quoi, on se bat comme on peut. J'ai l'impression que maintenant un groupe local qui puisse exister, il est obligé de passer par des boîtes à Paris, c'est-à-dire ou un tourneur parisien ou un manager parisien ou un producteur parisien pour pouvoir après voilà arriver à Marseille, pouvoir être programmé dans des lieux de diffusion, on va dire de moyenne grande salle ou dans des festivals. Et voilà, qu'on est un peu snobé par la diffusion locale. Vous pouvez taper dans les mains, Marseille. Charmant oiseau, reçoit transmis la parole, tel est brio, chaleur émotionnelle, mitonne, lion projeté, sonorité, jeté, rythme verbeau. Dans une femme contemporaine, découpée en tranches de vie urbaine, tirée de la poésie néo-africaine, de la beauté d'une plume subsaharienne. En désastre de tête, passe de tissu planeur, recevoir pour transmettre. En vérité, on se dit identité marseillaise, mais on dépend beaucoup de Paris. Quand tu lis un peu la programmation de lieux comme je ne vais pas donner de nom, mais bon, tu sens très bien que derrière, il y a un ou deux tourneurs qui, voilà, qui tiennent le truc. Il y a des tourneurs qui tiennent le truc et ça ne sort pas de là. Et c'est vrai que nous, les groupes, on est obligés de s'exporter, voilà. Exemple du Corps de la Plaine, exemple de Wachaclan, l'exemple. Il y a d'autres exemples. Donc, s'il y en a eu le Massilia pendant des années, on était obligé de pratiquement jouer tous les week-ends à Paris pour pouvoir se faire un nom. Tu vois. Et pourtant, si aujourd'hui on parle de Marseille aux quatre coins du monde, c'est qu'à un moment donné, il y a eu l'OM, bien sûr, qui a joué beaucoup dans l'image de la ville, mais il y a eu aussi des groupes comme le Massilia Sound System ou comme IAM qui ont vraiment porté ce slogan « Fier d'être Marseillais ». Et voilà, quoi. Et c'est ce qui a un peu intrigué pas mal de gens à travers le monde. Sur ce morceau, je vais appeler Sekou Kouyaté, je vais appeler Bassi Soko aussi. Parce que je sais qu'ils sont là. On va partager ce titre ensemble. Vous pouvez les applaudir bien fort et bien tout droit de Conakry. Bonsoir Marseille. Thank you.
Mon héritage, c'est une chanson que j'ai écrite à la naissance de ma fille. Justement, je parlais de sa double culture. Sa mère est ardéchoise. Moi, je suis africaine. Donc, c'était justement pour qu'elle s'imprègne de toute cette richesse culturelle qu'on lui transmet. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce titre, parce que c'est vachement important à l'heure du métissage de savoir d'où on vient, quoi. J'espère que j'aurai l'occasion de l'amener. De toute façon, ça se fera que de l'amener sur ces terres, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, qu'elle puisse marcher sur la terre de ses ancêtres. C'est vachement important, comme elle va souvent en Ardèche chez ses grands-parents, comme je l'amène régulièrement chez ma mère, pour que voilà quoi, qu'elle perde pas ce lien avec ses racines. L'humanité entière prise dans ton sillage. Une double culture comme seul héritage. La peau dorée au soleil du métissage. Une double culture comme seul témoignage. Naturellement société vouée au passage. Qu'aura pas la rencontre qui te voyage. Seul ton âme te servir de bagage. Ma vie de la ville à la brousse. De village en village, du monde civilisé à l'état de des sauvages. Découverte des plus beaux paysages, dans des grandes civilisations, des grands rois, paroles de sages. Peuple de douleur, ethnie du courage, rencontre avec tes ancêtres les traits de ton visage.
se succèdent, changent d'image. Et sur les dieux, la descendance n'a plus le même image. Alors nos ailes subissent le piratage. Quelques mots écrits sur une tenture comme héritage. Ma vie, envie de laisser une trace de son passage. Juste un oiseau comme symbole, comme tatouage. Une double culture comme scène et détache. Par amour dans naissance au métissage. Une double culture comme seul témoignage. L'humanité entière prise dans ton sillage. Une double culture comme seul héritage. La peau dorée au soleil du métissage. Une double culture comme seul témoignage. Naturellement société pouée au brassage. Une double culture comme seul héritage. Par amour dans naissance au métissage. Une double culture comme seul témoignage. L'humanité entière prise dans ton sillage. Une double culture comme seul héritage. La peau dorée au soleil du métissage. Une double culture comme seul témoignage. Naturellement société pouée au brassage. Merci. Merci. Merci.